Guys, I'm back. Connaissez la date d'aujourd'hui? Aujourd'hui c'est le 9 août, ce qui veut dire que demain sera le 10 août. Oh my gosh! Et qui dit 10 août dit mon anniversaire. I am so excited parce que depuis que je me suis réveillée, après l'heure est déjà très avancée, il est 13h, mais j'ai décidé de vous vlogger ma journée. Je décide de vous vlogger aujourd'hui, demain. En tout cas, si tout se passe bien, vous aurez un full vlog de ces derniers jours que je vais passer, parce que ces derniers jours je n'irai pas au travail et j'ai prévu quelques 2-3 petits trucs là que vous allez voir dans le vlog. Le plan d'aujourd'hui c'est de faire mes cheveux parce que je vais pas garder ce bonnet là pendant toute la journée. Quand même, faut que je change un peu de look. Et franchement, quand je dis je change un peu de look, c'est même pas un peu, c'est beaucoup. Parce que j'ai fait une coiffure que vous n'avez jamais vue sur moi. Donc j'ai décidé de totalement sortir de ma zone de confort. Et quand je dis de ma zone de confort, vous allez voir ça tout à l'heure. J'ai pas encore mangé, donc je vais manger d'abord. Et puis on se retrouve plus tard. Peut-être pendant que je rentre de me coiffer, ou peut-être après. Donc à tout à l'heure, guys. À tout à l'heure. Donc à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça fait un anniversaire sur mes parents, mais c'est pas bien grave parce que l'essentiel c'est vraiment de passer une bonne journée, c'est tout. Donc on va se dire à tout à l'heure, je vous reviens tout à l'heure. Comme je vous ai déjà dit, le temps est avancé, il est déjà 13h. Si j'avais pas prévu du tout ça, hier soir avant que j'allais me coucher, je me suis dit j'allais me réveiller tôt pour faire, bon, bref, on va venir faire comme si, voilà, ce qui est passé est passé. Il est déjà 13h, ce qu'on peut faire, on va faire. Donc je dois faire mes cheveux. Je l'ai fait mes cheveux moi-même, ok. Je l'ai fait mes cheveux moi-même. Donc, je sais pas combien de temps ça va me prendre. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. Mais en tout cas, après avoir fait mes cheveux, si j'ai un peu de temps encore, j'irai faire mes ongles. J'irai juste comme ça au centre, ou en tout cas, je vais trouver un endroit pour aller faire mes ongles s'il n'est pas trop tard. Donc, je fais mes cheveux et puis après, je vais aller faire mes ongles. J'ai même pensé à côté à aller à la salle de gym, mais je sais que je pourrais pas. Je sais que je pourrais pas parce que. 13h, à quel moment j'ai fini mes cheveux, à quel moment j'ai fini de vous parler, à quel moment j'ai fini de manger rapidement. Et puis je vais me mettre à mes cheveux. Regardez, je suis en plein processus, je suis en train de faire mes cheveux. Je vous ai dit que c'est un truc qui allait vous choquer. Je vous ai dit ça, mais je vous ai pas dit. Je vous ai dit ou bien je ne vous ai pas dit. Donc voilà, on n'a plus encore le résultat final. Là je viens de mettre la colle, je suis en train de vous faire un petit tutoriel. Donc actuellement, il est quelle heure? Il est 14h42. Il est 14h42. Et je pense que on aura fini d'ici 16h, tout sera propre. Donc, je vais continuer. Franchement, c'était pas facile. Hein, je vais vous dire en même temps, c'était pas facile du tout. Je suis en train de batailler pour avoir une belle tête. Donc, on va attendre jusqu'à la fin. Mais sinon, regardez un peu, guettez un peu la couleur. Je vais mettre... Je vais écouter un peu de musique pendant que j'attends. Take my pain away. So take my pain. Guys, I'm back. Et puis regardez un peu mes cheveux. J'ai fini de faire mes cheveux et j'arrive pas. En fait, j'ai envie de dire, j'arrive pas à croire que ça soit si beau avec moi. La couleur, le modèle, tout me va bien. J'ai même pas besoin d'attendre que quelqu'un me dise que ça me va bien, parce que je sais déjà que ça me va bien. Franchement, pour une première fois, ça mérite des acclamations, s'il vous plaît. Je vous ai montré mon expertise. Est-ce que vous m'avez déjà vu avec cette couleur et puis avec cette coiffure, s'il vous plaît? Quand je vous dis que je suis sortie totalement de ma zone de confort et guettez un peu les boucles. Donc, il est 16h pile. Je vous ai dit que j'allais finir à 16h. Je vous ai dit. Enfin, j'ai dit que j'allais pouvoir finir à d'ici 16h. Et là, il est 16h. Franchement,
Je pensais que j'allais durer pendant, je vais manger, j'allais continuer jusqu'à 20h, mais non. Donc on a encore quelques heures devant nous. Je pense que je pourrais aller faire mes ongles. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de ma coiffure. Est-ce que vous pensez que j'ai dead ça ou pas? Parce que moi je pense que j'ai dead ça. Period. Donc on se retrouve tout à l'heure pour que je range tout ici et puis je m'apprête. Donc guys, je suis prête à sortir. Donc là j'ai porté ma robe. Bien sûr, c'est pas ces chaussures là que je vais mettre. Je vais mettre d'autres chaussures. Donc là on est prêt à sortir. Je vais mettre mes bijoux. Il fait super chaud. Là il faut que je rattrape le bus. Je vais déjà montrer ma robe. Hein. C'est une petite longue robe comme ça avec mon petit sac que j'ai acheté sur Chine, vous connaissez. Avec ma petite coiffure. Regardez. Est-ce que je suis pas trop cute en fait? Donc on doit prendre le bus tout à l'heure. J'ai porté mes chaussures. Ok, donc là j'ai porté mes chaussures. Maintenant je vais vous montrer le look. Là voilà le look final. Est-ce que vous voyez bien? Sinon j'ai porté mes petites sandales. Voilà, et puis c'est bon comme ça, on va pas trop se surcharger. Il fait chaud, pas de maquillage, je vais juste mettre un peu de mascara et puis... Donc là, c'est bon. Du coup, là, je suis arrivée au downtown Ottawa. Je suis arrivée au downtown. Je vais faire un tour au Simons. Because why not, hein? On va voir ce qu'on peut trouver là. Parce que la dernière fois que je suis passée, j'étais en solde et j'ai pas pu vraiment prendre le temps de regarder. Parce que je devais aller au travail. Mais là, vu que on a le temps. Vu qu'il est, que 17h, on n'a pas encore. On a le temps en fait. Parce qu'il ferme à 9h. Donc on a le temps de se promener un peu et puis après je vais aller trouver un endroit où faire mes ongles parce que j'en ai vraiment besoin. C'est pour ça que je suis venue en fait. Donc c'est parti. Ce pantalon que j'ai vu, il est trop beau. J'ai pas envie de trop parler parce que
guys, alors je suis de retour. Je suis rentrée depuis, hein. J'ai même pris ma douche. Actuellement, je me sens fraîche. J'ai mis ma petite pommade pour les boutons. Je vais vous parler de ma petite crème après. Mais sinon, j'ai mis mon petit boubou pour dormir. Mais je ne suis pas encore prête à dormir, je n'ai pas encore sommeil. Actuellement, il est 10h57, donc 1h03. It's my birthday. Je vais me faire un petit thé au Bissap. Je vais vous montrer. J'ai pas envie d'aller là-bas parce que mon frère il a mis la musique. Mais je vais vous montrer quand même parce que faut que je vous. I have to put you on. Alors vous voyez que je parle beaucoup avec mes doigts. C'est parce que j'ai fait mes ongles. Donc franchement, j'ai pas aimé le service. Pourquoi je dis j'ai pas trop aimé l'endroit. Mais sinon, il a d'être ça en fait. Vous voyez mes ongles bien faits, bien simples, bien courts, bien jolis. J'aime beaucoup. Mais l'endroit, je sais pas si je vais retourner là-bas. J'avais l'impression qu'il parlait de moi dans leur langue parce que ils parlaient, ils me regardaient par moments, enfin c'était un peu gênant et j'ai pas trop aimé. Après j'ai pas dit que voilà ils parlaient de moi parce que je suis pas vraiment sûre, mais je dirais que j'ai pas trop aimé the customer service, donc je sais pas si j'irai là-bas encore. Voilà, j'ai mes popcorn, voilà mon thé au Bissap. J'ai acheté dans un magasin africain pas loin de chez moi et franchement j'aime bien parce que moi j'aime beaucoup les feuilles de Bissap. Avec ma petite tasse. No milk. C'est vraiment le thé en fait. No milk. Là, j'ai mis du sucre roux. C'est pour ça que c'est comme ça. Parce que j'ai pas envie de retourner encore dans la cuisine. Regardez comment il est en train de devenir rouge là. Parce que c'est du Bissap. Pour ceux qui connaissent, vous connaissez. Je vais faire un petit haul de ce que j'ai acheté chez Simons. Parce que j'ai fait des achats chez Simons. Et je suis passée à Sephora comme vous avez vu dans la vidéo. J'ai acheté un mascara. Parce que j'ai... Mon mascara il est déjà fini. Alors je vais vous montrer ce que j'ai acheté au Simons. J'ai pas acheté seulement des habits. Je vous ai déjà montré le pantalon, non? Le pantalon il est trop beau. C'est vrai qu'il me sert un peu plus, mais je vous assure que je pouvais pas le laisser en fait. Je pouvais pas le laisser. La couleur c'est une couleur mais jamais vue dans mon dressing. Franchement, j'aime trop la coupe. Comment c'est gros, bas, comment c'est bien. Pépite. Et j'ai pris ce petit haut noir. Because why not? Donc, tout ce que j'ai acheté était soldé. Tout était soldé. Franchement, tout était soldé. Et quand je vous dis des soldes, on sait à quel point Simon, ça, c'est cher. Mais quand je vous dis les soldes, allez-y, vous fouillez. Fouiller, je sais pas comment vous faites, mais en tout cas moi je tombe sur tout. Donc là j'ai acheté des ustensiles pour la cuisine et j'ai eu cette boîte là à 10$. C'était, vous voyez le prix ici, 9,99$. C'était 35, là c'est venu à 10. Franchement j'aime beaucoup. Regardez, vous avez les cuillères, les fourchettes, les couteaux de table. Une chose avec moi, c'est que j'aime trop acheter ce genre de choses pour la cuisine. J'ai trop hâte de bien aménager, d'avoir une trop belle cuisine. Enfin, mais les choses viennent petit à petit parce que il me faut d'abord du temps. Et j'ai acheté des nappes que j'ai eu à 3$, franchement 2,99$. Pratiquement le prix d'une nappe au Dollarama. Et franchement, la qualité. Et pour finir, vous avez vu dans la vidéo, j'ai acheté ces sandales. J'ai pas vraiment de sandales comme ça. Je crois que j'ai une seule sandale de chez Shein que j'ai acheté depuis l'année passée. Mais sinon, à part ça, franchement, trop belle. Donc, c'est ce que j'ai acheté chez Simons. Mais la section où ils vendent de... Les trucs pour la maison, la décoration de la maison, enfin tout ce qui concerne la maison. Mais c'est trop beau. Tu arrives là-bas, tu as envie de choisir tout. C'est tout pour le petit haul. Je vais manger mes popcorn. Donc on se retrouve en tout cas demain. Devinez quel jour aujourd'hui. Jour 2. Jour 2 de mon vlog, ce qui veut dire on est le 10 août, ce qui veut dire c'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire. Arrêtez de ce que vous faites là tout de suite. Bon, en même temps, j'ai pas posté la vidéo aujourd'hui. Mais sinon, j'aurais dit arrêtez de ce que vous faites
et écrivez dans les commentaires joyeux anniversaire. Mais bon, c'est pas grave parce que je sais qu'il y a déjà des personnes qui m'ont écrit sur Instagram, WhatsApp, Snapchat, Facebook. Franchement, je suis trop contente parce qu'il y a des personnes que tu n'as même pas parlé avec eux pendant des années. Mais t'envoies joyeux anniversaire. Il y a des personnes qui te connaissent même pas, qui quittent de nulle part comme ça dans tes DM, joyeux anniversaire. Et ça fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir en tout cas. Ça me rend trop heureuse. Donc, merci. Merci à toutes ces personnes qui ont pensé à moi. Là, il est 10h32. Et je vous ai déjà expliqué un peu mon programme d'hier. Franchement, je suis trop contente d'avoir fait mes ongles hier. Comme ça, ce matin, je suis libérée. Parce que je ne me voyais pas franchement me réveiller, aller faire mes ongles, ensuite aller à mon brunch. Parce que j'ai prévu d'aller à mon brunch. Donc, ce qu'on a sur notre liste. D'abord, on va se préparer. Parce que... Vous voyez, j'ai toujours mon bonnet. Ma perruque, elle est toujours collée. D'accord? Elle est toujours collée. Donc, je vais l'enlever tout à l'heure, mon bonnet. Et puis, je vais m'apprêter. Je vais vous montrer mon outfit du jour. Donc, ce qu'on doit faire, c'est s'apprêter. Ensuite, aller à notre brunch. J'ai vu un endroit. Je l'ai vu ce matin. Mais je vous assure que j'avais pas prévu d'aller dans un endroit particulier. Je voulais aller à Ottawa, au centre-ville. Mais non. Finalement, je vais rester ici à Gatineau. Donc, j'ai vu un brunch qui est pas... C'est pas super loin de chez moi. Donc, on va y aller. Ça fait 23 heures. Donc, ça m'arrange. J'ai tout mon temps pour y aller. Mais après, il faut que j'aille au spa. Donc, on va aller au brunch et ensuite, on va aller au spa. Je sais pas combien de temps j'ai pas de brunch. Mais c'est sûr que je vais vous vlogger lorsque je vais arriver là-bas. En tout cas, je vais faire l'effort de filmer parce que je sais pas. Souvent, I'm too shy de filmer dehors en fait, parce que je me dis que les gens ils me regardent, les gens ils vont dire mais celle-là elle filme quoi. Bref, en tout cas je vais faire l'effort de filmer et puis retenir le thème de cette année, même s'il n'y avait pas d'autre thème, mais c'est moi qui instaure maintenant mes thèmes. Le thème c'est soft girl era. J'ai reçu des mails du travail disant si ça, j'ai même pas regardé ça. Ça ne m'intéresse pas aujourd'hui, ne m'embrouillez pas. Si quelqu'un m'appelle, I'm unavailable. Then no, they see me. Bref, trêve de bavardage, faut que j'aille m'apprêter pour aller à notre brunch. Montrer ce que je vais porter. J'ai porté une robe blanche. Pour la petite histoire, je l'ai reçue l'année passée pour mon anniversaire. Ça vient d'une personne spéciale que j'aime trop. Donc, je n'ai jamais porté, je ne l'ai jamais mis. Et hier, non, avant-hier, je me suis dit, bon, pourquoi pas garder le thème puisque c'est soft girl era. C'est pas, je vais vous montrer la robe, c'est pas une robe extra, franchement c'est une robe très simple, toute blanche. Donc vu que le blanc symbolise la paix, la douceur, le renouveau, tout ce qui est bon, ça va absolument avec le thème. Et demain j'ai une soirée et on demande de s'habiller en tout blanc, et c'est de là que je me suis dit bon, demain ça sera en tout blanc, pourquoi pas être en tout blanc encore aujourd'hui, enfin ça passe quoi, ça passe. Donc je vais vous montrer mon outfit. Vous voyez comme elle est simple, quand je vais la mettre vous allez voir, franchement elle est super simple. Et comme pour le sac, j'ai décidé de porter mon sac que vous connaissez, je vous ai montré, que j'ai acheté sur Shein là. Parce que je vais emporter ma tablette. J'ai opté pour celle-là. Trop belle. Trop belle. J'ai porté ces boucles-là. Elles sont trop belles. Avec les petits bracelets que j'aime trop. Je vais faire un petit make-up léger. Regardez. Il reste juste à mettre mon gloss et puis mon mascara. Je vais tester le mascara avec vous. Donc là, voilà le avant. Moi, mes cils ne sont pas très volumineux. Donc voilà le avant, voilà le après. Franchement, il n'y a pas une super grande différence. Peut-être aussi que j'ai pas mis assez. Hein. Voilà le truc. Peut-être on va essayer encore une autre fois où je vais essayer de mettre un peu plus. Non, de bien tirer même. Mais sinon là, c'est bon. Regardez, le temps est devenu bizarre comme ça. Regardez comment le temps est devenu bizarre. Oh là 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 là. On voit même pas à l'intérieur, témoin. Oh, là. Il pleut comme pas possible en fait. Donc là, je suis prête. Voilà mon petit outfit. Mon sac. Mes bracelets. Regardez la robe. Elle est bien modeste, bien
blanche, bien clean. Franchement, rien à dire. Rien, rien à dire. Prête à y aller. Franchement, rien ne va gâter mes plans aujourd'hui. Rien. Même pas cette température-là. Quand il faut y aller, il faut y aller. Je ne vais pas rester dans cet appartement à attendre quoi que ce soit. La pluie a cessé un peu. Moi, j'y vais. Donc, je vais vous filmer lorsque je serai là-bas. J'ai trop hâte d'y être. Franchement. Pour ceux qui se demandent, je serai avec qui? J'irai avec me, myself and I. Je pense qu'on est. On est trois. Ça suffira. Mm-hmm. Alors, il pleut encore et toujours. Là, je suis sous mon parapluie. Parce que comme je vous ai dit, je ne laisse pas. Là, j'ai fini mon brunch. Donc, à ce moment, il est 15h45 et je m'apprête à aller au spa. C'est pas très loin de là où je suis présentement. Donc, je vous retrouve là-bas. Là, je suis au spa. Là, je m'apprête à porter mon peignoir. J'ai pas envie de parler fort parce que il y a des gens qui sont dans les vestiaires. Guys, I'm ready. I'm ready to go. Look at my J'aime pas comment les bras sont super.
sors, je te sens bien. Donc au moins, je serais sortir un peu parce qu'il a plu toute la journée. Je serais sorti, actuellement, il est 6 heures et c'est maintenant que je serais sorti. Mais au moins, je serais sorti. Donc voilà. Mais sinon, moi, je suis en train de me relaxer actuellement. C'est trop bien. Franchement. Bon, guys, la journée au spa est terminée pour moi. Il faut que je rentre. Il est presque 7 heures. Normalement, il ferme à 10 heures, mais moi, je ne vais pas rester jusqu'à 10 heures. Il faut que je rentre chez moi à la maison. Mais sinon, c'était une superbe journée. Une journée vraiment très relaxante. D'abord, je voulais me masser, mais je n'ai pas pu avoir mon massage parce que je n'ai pas réservé. Ça m'a tellement énervée. Mais bon, je sais que je vais revenir un jour encore. Je vais revenir un autre jour. Ça, c'est sûr et certain parce que j'aime beaucoup l'endroit. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là, j'ai remis ma robe parce que je suis prête à partir. Waouh! Il fait super beau dehors en fait. Il fait trop beau, j'adore. Guettez-moi ce soleil. Ouh! Ça rentre tellement bien sur ma peau. Donc je vais aller au Dollarama finalement pour acheter. Parce que demain j'ai une fête. Donc je vais acheter 2-3 petits trucs pour. Non, c'est pas demain, samedi. Parce que samedi, j'ai une fête. J'ai invité quelques proches à manger. Donc, je vais acheter 2-3 petits trucs au Dollarama. Je vais les petites assiettes jetables, les trucs jetables et tout là. J'ai pas eu à attendre plus parce que je vais vérifier si j'ai pas reçu. Je sais que c'est vide. J'ai pas besoin d'ouvrir. Je sais que c'est vite. Oh, ça fait des semaines. Je suis censée recevoir un truc très important. Mais bon, bref, je disais que j'ai pas eu à attendre du bus parce qu'ils sont venus me déposer et j'ai pu faire mes courses. Si c'est pas Dieu qui l'a envoyé sur mon chemin, parce que je vous assure que le bus c'est maintenant là qu'il devait passer. Alors que moi je suis rentrée. Je rentre à la maison là. I'm so happy. En plus, like, il a pris mes courses. Alors j'ai décidé d'acheter. Des petites assiettes comme ça. J'ai acheté des verres. Des ustensiles. J'ai acheté des bois pour faire des brochettes. Sac couvert. Des serviettes jetables aussi. Enfin, ouais. Des assiettes jetables. Et j'ai acheté des ballons. Et j'ai acheté une passoire parce que j'en avais besoin. Avec mon bouquet de fleurs. J'aime beaucoup. Hello, hello. On est le lendemain. Donc aujourd'hui, c'est vendredi. Il est déjà presque 15h. Je suis en train de cuisiner. Je dois sortir ce soir. Je pense que je vous ai parlé de ma soirée là. Où je vous ai dit qu'on devait s'habiller en tout blanc. La soirée commence à 8h du soir. Donc on a encore le temps. Je fais bien manger. Mon frère m'a acheté un cadeau. Des AirPods. C'est agréable quand tu n'achètes pas avec ton argent. Donc je lui dis merci, merci. C'est mon frère. Mon frère chéri que j'aime et que j'adore. Oui, je sais, je suis un peu hypocrite, mais c'est pas grave. Guys, je suis de retour. Là, il est presque 19h. J'ai mis des gants. J'ai porté mon t-shirt blanc. Et là, il est 18h45, un truc de ce genre. J'ai mis des gants parce que pas question que je salisse mon t-shirt blanc avant la fête. Donc là, j'ai mis mon foulard parce que je viens paint my face. Donc, je vais mettre un peu de fond de teint, un peu de make-up par-ci, par-là. Guys, regardez, quand ils ont dit que le mascara de chez Sephora, il est vraiment size up. Parce que regardez, je reconnais même pas mes cils. Regardez de profil là. Regardez ici par exemple. Oh my gosh. Ça fait comme si j'ai mis des faux cils. J'attends, parce qu'aujourd'hui j'ai voulu faire un effet un peu thick. Mais là j'aime beaucoup. Je vais mettre mes boucles d'oreilles, je vais arranger un peu mes cheveux. Et puis je reviens quand tout est prêt. Guys, voilà mon habit. Voilà mon outfit. Comment vous trouvez mon outfit? C'est juste un petit t-shirt avec une longue jupe. Je vais mettre mes bracelets. Toulou, toulou. Je commence à m'habituer au bruit. Puis ma coiffure. J'aime trop. Et pour mes talons, je vais mettre ces talons. Mais regardez. J'essaie de vous montrer un peu plus proche, mais j'y arrive pas.
Quand je vais sortir, je vous montre. Le soleil, il fait toujours ce qu'il doit faire. Je pense que I'm ready. En plus, aujourd'hui, il fait super beau. Il fait super beau comparé à hier. J'aurais aimé qu'il fasse beau comme ça hier aussi, mais bon. Mais bon, on peut pas tout, pas tout avoir. Donc là, j'ai mon sac. Mon sac noir de Holly Spring. Ma chaussure Holly Spring. Et puis, tout est beau, quoi. J'ai appelé le taxi et puis je vous reviens tout à l'heure. À peine d'arriver et là je sais pas, j'attends mes copines parce qu'elles sont pas encore arrivées. En vrai je connais juste une seule, il y a déjà des gens qui sont arrivés heureusement. Pour la première fois de ma vie, enfin je sais pas si c'est pour la première fois de ma vie, mais en tout cas je suis à l'heure. Vous voyez, il y a déjà des gens qui sont habillés en blanc, il y a déjà des gens qui sont habillés en blanc ici. Donc là on est, on s'apprête à rentrer, c'est ça? On s'apprête à rentrer dans le bateau. Regardez un peu mes os. Elles sont trop belles en fait. Regardez, admirez les beautés. Donc, je vous retrouve bientôt. Ou ça demain, parce que je ne sais pas si je pourrais filmer ce bateau. J'ai pris quelques trucs qui me manquaient pour ce soir parce que je dois aller cuisiner. Et là, je suis dans la section là où on vend les assiettes, bol. Et franchement, ils sont en train de faire des réductions. Et j'ai vraiment envie d'acheter des petites assiettes, vous voyez, les petits bols. Regardez. C'est trop cute. Je vais prendre, pourquoi pas. Donc, on va se retrouver lorsque je vais arriver à la maison. Parce que là, je suis encore en train de faire mes courses. Quand je finis, on se retrouve. Les amis, dites hi to my vlog. Coucou le vlog. Vous passez, vous allez passer loin.
Hello. Hello. Dites hi to my vlog. Junior. Bienvenue. Avec le petit ballon. Qui est là? Dis hi to my vlog. Tu avais déjà dit hi, je pensais. Voilà, la fête est terminée. Mes amis, elles vont vous dire au revoir. Coucou le vlog. Au revoir. Elles sont un peu shy, mais c'est pas grave. Non, pas du tout. Moi, je suis shy dans le vlog. Je suis shy. Moi, je suis. Mais que vous dites shy, ça n'est pas dit que je suis saoulée. Les amis, coupez la vidéo. Le problème. Bon, je pense que le vlog va s'arrêter là parce que c'est plus. Et puis demain, je travaille, donc je ne pourrai pas filmer, ok? Mais là, je vais les accompagner parce qu'elles vont prendre leur Uber. Regardez quelle beauté! Look, you look it up. African lady, you are my African queen. The girl of my dreams. Yes, yes, she's drunk. Who? Not me. You? Nope, I'm not. I'm not. I am not strong. Celle-là, je ne l'aime pas parce qu'elle est toujours en communication avec son gars. Sinon, la voici, l'amour est bon, les amis. Au revoir, les gens. Hello. Hello, comment ça va? Ça va bien. Je vais m'assurer qu'elle rentre le taxi et qu'elle parte à la maison. C'est une histoire. Ça va, on se fait bien. Ok. Parce que là, tu veux rentrer dans mon vlog? Tu veux dire hi, vlog? Hi, vlog. Bye.